Ce genre d'annonce est très répandu sur les réseaux sociaux en Arabie Saoudite. Certains employeurs n'hésitent pas à vendre leurs domestiques contre leur gré à d'autres familles. La pratique est très critiquée par les activistes des droits de l'homme et souvent assimilée à de la traite d'êtres humains. Pire, ces annonces sont postées publiquement sur les réseaux sociaux sous le hashtag domestique ACD sur Instagram, Twitter ou encore Snapchat. Sur cette annonce, par exemple, un employeur propose de céder sa domestique bangladaise parce qu'il ne souhaite pas lui payer des arriérés de salaire. Mais parfois, les domestiques refusent cette situation. Vous allez entendre le témoignage de Soraya, une jeune domestique marocaine. Elle s'est récemment enfuie du domicile de son employeur car elle craignait d'être vendue. Notre journaliste Kenza Safieddine a pu la joindre au téléphone. Comment êtes-vous parvenu à vous échapper? Je leur ai menti. Je leur ai dit que je voulais partir au Maroc pour assister au mariage de ma sœur. Je leur ai dit que j'allais revenir. J'ai insisté jusqu'à ce qu'ils acceptent. Ils m'ont fait un visa de 2 mois, sortie et retour. Pourquoi leur avez-vous menti? Si je leur avais raconté que je ne voulais plus travailler pour eux, soit ils m'auraient vendu à un autre tuteur, soit ils auraient fait en sorte que je sois définitivement expulsée du pays. Vous viviez comment chez eux? J'ai beaucoup souffert. Je dormais très peu. Je me reposais peu. On m'a traité comme une esclave. En Arabie Saoudite, les étrangères sont obligées d'avoir un tuteur pour travailler. Il est leur représentant légal. Ce système s'appelle la kefala. Pour les tuteurs, ces transactions en ligne, c'est un moyen de contourner la loi. Ils vendent leurs domestiques, parfois jusqu'à 5 000 euros, en économisant les frais de rupture de contrat.